Donc on y va. Donc, toujours sur le même principe, là, ce qui va nous intéresser, c'est le deuxième temps. Mais on pense à ça. Pensez, les gars. Et les filles. Votre genou, il doit aller loin à l'intérieur quand on descend. Alors, quand on fait le canard, c'est un peu différent. On peut vraiment descendre. Mais ça va être dur avec un grip de jujutsu, un grip de judoka ou autre. Avec un lutin, en grappling, c'est plus facile parce que bah, il peut rien tenir. Là, il peut y avoir de la contention, ça va être galère, d'accord. Donc, quand je suis ici, je préfère descendre. Je descends et je descends proche à l'intérieur. Oh, ok, je suis là. Ok, là, j'amène, ça vous l'avez bien fait. J'amène, ok. Maintenant, ce qu'on fait, on va venir se poser. La même chose, je change. Deuxième chose, je prends l'autre lapel. Et j'ajuste, comme quand on fait l'étranglement arrière. Vous vous souvenez, le jeu du lapel. Ouais. Ok, donc j'ai mon poussin intérieur. Là. Et de l'autre côté, regardez, ça ajuste. Hop. Cet ajustement, il est sympa. Pour ça, souvent, je tire ici. Je ferme. Et là, je vais passer mes hanches. Donc, je me mets sur le côté, je passe. Et je passe mes hanches devant sa tête. Ce qu'on appelle une horloge. Hein ? Donc, un, je tire, j'ajuste, ça me permet de passer, et moi je passe mes hanches en cherchant les deux. En fait, mes hanches doivent passer ses épaules, sa tête s'il le faut. Avec le temps, les gens se défendaient un peu trop, donc ce qu'on a fait, c'est ça. On ajuste moins, mais on joue plus avec notre déplacement d'hanches. D'accord ? Faites gaffe. Un tortelleur pourrait potentiellement venir vous choper ici pour vous ramener. Non, au bras. Là. Et après tourner. Potentiellement. Ça dépend s'il sait faire de la tortue. Donc autant dire qu'au 21e siècle, ça ne va pas arriver souvent. D'accord. Mais l'intérêt quand on prend le bras ici, c'est que je lui tue cette mobilité qu'il pourrait avoir et m'en embarquer. Par contre, ça va me demander plus de déplacement. Donc au départ, vous commencez le tradit. 1, je vais chercher à l'intérieur, j'ajuste, je ramène. Ok. Là, il doit déjà sentir qu'il n'est pas content, et on voit ses oreilles qui rougissent, et je passe. Ok. Tu ajustes, c'est comment tu ajustes? C'est faire quand il n'est pas content. Ah, on n'a pas bien vu. C'est le même principe que quand on a le dos. Là, on est dans le même principe. 1, 2. On n'est pas en train de faire juste. Non, mon but. Et là, hop. C'est la même chose.